Quelle est pour toi la principale qualité de Julien, sur le terrain ou en dehors? Je pense que la principale qualité, c'est une vraie blagueur. Hein, toujours en train de regarder, de chambrer. Je pense pas qu'il fait beaucoup sur le terrain, mais là, il est plus sérieux. Un gars, je pense, qui aime la vie, qui aime bien faire un peu le camp. Voilà. Et au niveau de ses défauts, quel est son principal défaut d'après toi? Principal défaut, je ne sais pas, je vois pas grand défaut, mais peut-être quand il invente le mot, quelquefois, je suis complètement perdu. Ah, ces mots qu'il invente, ouais. Il fait plein de mots. Moi, je ne suis pas un grand homme en français, mais je ne pense pas. Tu n'as rien compris. Ça, c'est difficile. Qu'est-ce que tu aimerais avoir chez lui au niveau du jeu sur le terrain? Moi, une chose comme lui. Comme lui, qu'est-ce que tu aimerais avoir dans son jeu? La vitesse, bien sûr. Parce que ouais, mon jeu, c'est pas vraiment basé sur sa vitesse. Et si je peux piquer un peu sa vitesse, un peu sa crochet intérieur-extérieur, j'aimerais bien un peu de ça. Et qu'est-ce que tu n'aimerais pas du tout avoir chez lui, que ce soit dans son jeu ou physique ou moral? Sa sale gueule, son gros nez. Son gros nez, ça revient souvent. Est-ce que tu as une petite anecdote sur Julien, que ce soit en club ou en dehors? Si tu veux te venger, tu peux en profiter. Oh non, je ne suis pas quelqu'un de vengeance. Non, c'est un bon coéquipier, un très bon joueur. Je suis triste pour lui, il n'est pas joué les dernières quelques semaines. Moi j'aime un bon gars, un gars de région aussi. J'aime bien, même si moi je suis étranger, de voir quelqu'un qui est son hometown hero, tu vois, quelqu'un de région. Ça c'est bon ça. Je suis content pour lui, pour son réussite ici. Est-ce que tu as un message à lui faire passer? Ferme. Faire, impeccable. Merci. Merci.